Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog à Vienne. Je suis tout juste arrivée aujourd'hui, là il est 17h, quelque chose comme ça. Je suis arrivée à Vienne vers midi, après beaucoup d'heures de bus et de train. Parce que oui, du coup j'ai pris un train hier soir à 21h40 à Split. Je suis arrivée à 6h à Zagreb. Oui, à Zagreb j'avais un bus à 6h30 et du coup, déjà là entre la gare et la station de bus, j'ai dû un peu courir parce que c'est pas au même endroit. Mais j'ai eu mon bus. Et après j'avais encore du bus jusqu'à midi. À midi je suis arrivée, le temps que j'arrive à l'auberge et tout, il était midi et demi, midi 40. Après je me suis installée, j'ai pris une douche parce que j'en pouvais plus. Et je suis directement sortie. J'ai vu qu'il y avait un free walking tour à 14h. Du coup vu qu'il était 13h15 comme ça, je me suis acheté un truc à manger. Et je suis directement allée au free walking tour. C'était d'ailleurs sympa. Ça s'est terminé vers 16h, un peu avant. Et après, je me suis un peu baladée. Je suis allée voir une église que je voulais voir. Et après, en fait, j'avais un peu prévu d'aller au château de Schönbrunn, j'espère que je le dis bien. Sauf que j'ai vu que le temps, il commençait à être gris un peu. Et puis après, j'ai vu qu'en fait, j'étais vraiment à l'opposé de cet endroit. Déjà que c'est un peu hors de la ville, il faut prendre un tram dans tous les cas. Du coup je me suis dit que je ferais ça demain au coucher du soleil parce que j'aimerais faire le coucher de soleil là-bas. Du coup je me suis dit que j'allais plutôt aller à la maison de Unterwasser, quelque chose comme ça. Sauf que du coup j'ai regardé les horaires en ligne, ça m'était que c'était ouvert, en fait c'était fermé. Mais du coup j'ai quand même vu la façade et je reviendrai demain ou après-demain. Mais c'était déjà trop beau. Et du coup là je marche, je me balade, je suis dans un parc et je pense que je vais acheter quelque chose pour préparer un repas ce soir à l'auberge vu qu'ils ont une cuisine et je vais rentrer parce que je suis quand même assez crevée et du coup là je dois prendre un tram parce que tout est super grand ici mais c'est super beau, genre vraiment les bâtiments c'est magnifique. Et là le parc il est très sympa en vrai, j'aime bien. En ce qui concerne mes premières impressions sur la ville, j'aime beaucoup. Comparé à Split, c'est complètement autre chose et franchement c'est super parce que Split j'ai l'impression c'est une ville mais c'est... Il y a personne qui vit vraiment dedans, c'est genre que pour les touristes, je sais très bien que c'est pas vrai mais au moins là c'est plus une ville normale entre guillemets et vraiment il n'y a pas beaucoup de touristes, même pendant la visite du coup le monsieur il a dit qu'il n'y a vraiment personne en ce moment à Vienne, que du coup c'est le bon moment pour nous. Et j'aime bien parler, qui parle allemand et franchement c'est super. Can't pretend it.
is. I ride for my clique, I get live with my clique, go get high with my clique, do it down for my clique, shed it all that I know. Hello, deuxième jour à Vienne, j'ai super bien dormi, j'espère que vous m'entendez avec les voitures. J'ai vraiment super bien dormi, je crois que je me suis couchée vers 21h30, je me suis réveillée à 8h30, là il doit être 9h, quelque chose comme ça, et je vais dans un café pour prendre un petit déjeuner, parce que ouais, ça va trop me faire du bien, et juste voilà, en plus c'est la tradition un peu ici d'aller dans des cafés, enfin c'est vraiment des cafés typiques, du coup j'ai une petite adresse là, je vais voir ça. Et puis après, j'ai vu qu'il y avait un genre de petit marché sur toute la rue du tram qui est juste ici en fait. Du coup, je vais peut-être faire un tour. J'ai rien à acheter, mais c'est toujours sympa de voir l'ambiance et tout. Donc voilà, c'est parti. Dans le café où je voulais aller, franchement c'est trop beau l'ambiance, c'est ouf. De toute façon je vous aurais mis des images, et du coup là j'attends ma commande. Les boissons c'est à volonté, du coup j'ai repris un petit thé. Du coup je suis partie du café là, franchement c'était trop bien, j'ai payé je crois 10,80€ et j'avais boisson à volonté et le petit déj du coup que je vous ai montré. Et là en fait je retourne à l'auberge parce que je m'étais préparé des pâtes hier pour mon pique-nique à midi, sauf que j'ai oublié de les prendre, du coup j'y retourne. Mais en vrai c'est cool parce que je voulais de toute façon repasser dans la rue vu qu'il y a un petit marché, c'est franchement super sympa. Me revoilà, j'ai pris le tram pour un arrêt, je sais pas trop pourquoi je l'ai pris, mais franchement c'est sympa, je suis tombée dans un petit parc là, j'ai aperçu une église au loin, c'est la Karlskirche, du coup je vais aller la voir, ça a l'air vraiment joli. Et après direction le quartier des musées, où je suis pas encore allée. Hochschule, c'est une université je crois, enfin une école. C'est trop beau. J'aime bien. Et l'église, elle est juste là, vous la voyez pas encore. Ok les gars, j'arrive dans le quartier des musées. Déjà je vois ça, c'est trop beau. Je vais avancer un peu. C'est trop beau. Les bâtiments ici, mais tout est trop beau, genre même les immeubles. Franchement, c'est ouf. Ok, en fait, du coup, je crois que je dois rentrer là-dedans. Et en fait, c'est ça le quartier. C'est. Il y a une cour à l'intérieur et je vais aller jeter un œil. Waouh, c'est super mimi. Mais là, je suis pas dans la grande. Dans la cour principale. Du coup, je vous emmène dans la cour principale. Bon bah j'avais dit que je faisais pas de musée, j'ai fait une expo là, 2€, c'était super cool, franchement, grave fun, pas du tout ennuyant, c'était pas immense, mais c'était trop bien et j'ai eu une boisson gratuite, enfin il y avait un frigo, c'était gratuit du coup vu que c'était les marques qui étaient exposées. Franchement, je regrette pas du tout. Je crois que ça c'est le musée d'histoire naturelle, et là, waouh, c'est trop beau. Wouh.
got shot to the head last week. I'm a paranoid freak. I keep driving around the city at the same dance beat, thinking one day you might show up when I go. And I try to lie and say that I'm not insane, but one day. Du coup, je vais manger les pâtes que j'ai préparées hier soir. J'en ai fait en plus. Et c'est trop beau. You don't wanna stop, I remember when we had the same damn problems. I'ma say the same things till you feel the same way. Even when it hurts you, I'ma put you in the same grave. Je suis juste devant le Parlement autrichien, mais du coup il est en travaux. On peut pas vraiment bien le voir. Là-bas il y a un autre bâtiment trop beau. En fait ici tous les bâtiments sont vraiment magnifiques. Ok, du coup c'est le palais de justice. J'aimerais trop rentrer dedans parce que j'ai vu des photos, ça a l'air trop beau. You don't give a fuck about me. I took a shot to the head last week. I'm a paranoid freak. I keep driving around the city at the same dance beat, thinking one day you might show up when I go. Ensuite, je suis allée manger une Zacher Torte au café Zacher. Donc en fait, c'est vraiment un incontournable quand vous êtes à Vienne. Et apparemment, c'est seulement dans ce café-là qu'il y a la vraie recette. Donc voilà, je payais 8 balles je crois pour ça, c'est un peu cher parce qu'au final c'est... je pense qu'on a des trucs meilleurs en France, mais voilà. If I was a question, would you be my answer? If I was the music, would you be the dancer? If I was the student, would you be the teacher? If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my... Was the dun, the dun, dun. I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. Je suis du coup devant le palais du Belvédère, Schloss Belvédère, quelque chose comme ça, j'espère que ça se traduit comme ça. Franchement c'est trop trop beau. Head up to a place where maybe no one goes. In a rocket full of liquor, in a Polaroid for pictures. Baby you should stop me before I lose control. How imperfect a person am I? Go through your purse and put on your disguise. You see the stars. Moi je vais à la ligne 4 et je vais au palace de Schönbrunn. Let's go. I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. And it done, it done, done. We still got a lot of shit to learn, just admit it. And it done, it done, done. We still got a lot of shit to learn, don't you get it? Got your finger on the trigger and you aiming at the mirror. Don't you shoot, that ain't you now. Cause on the outside you pretending, but you hurting in the inner. What's the truth now? How imperfect a person am I? Go through your purse and put on your disguise. You see the stars, but they just see the skies. And you see my scars, what do they see? If I was a question. Du coup là je suis à la Gloriette, c'est en fait il y a le château de Schönbrunn là en bas et en fait ici il y a un super beau point de vue et du coup je suis là et j'attends le coucher de soleil, là ça a déjà commencé, genre c'est un peu rose l'ambiance, franchement c'est trop beau. Je sais pas si j'attends encore ici ou si je descends. If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my is the done, the done, done. I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. Is the done, the done, done. I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. J'ai mangé là à la cuisine, j'avais un reste de pâtes. Et maintenant du coup, je retourne dans ma chambre, je vais me doucher et puis je vais dormir. On se retrouve demain. Hey, officiellement troisième jour à Vienne. Il y a eu des orages cette nuit, mais un truc de malade. Genre mon lit tremblait. Du coup là il est 8h30, quelque chose comme ça. Il pleut, viotte un peu. Et je suis en train de marcher pour prendre le tram et aller au café central. Je me suis dit que j'étais obligée de passer là. Je suis dans une rue où il y a plein de boutiques. J'étais pas du tout passée là avant. Écoutez, je découvre encore, hein. C'est cool. A plus. So live.
time and rush these days. Sortie du café central. En vrai, je sais pas trop en quoi en penser. L'endroit était vraiment super beau. Mais en fait, du coup, j'ai commandé le breakfast que vous avez vu. En fait, je croyais que c'était un croissant, mais en fait, non, c'était du pain. Et en fait, je trouve que du coup, c'était un peu cher quand même. Bon, même si du coup, on paye vraiment la localisation et tout. Et le café, en fait, en gros, c'était une mousse de lait. C'était même pas. Enfin, c'est comme ça qu'ils le font, je pense. Mais du coup, c'est pas forcément comme ça que je le préfère. C'était... Ouais, je sais pas. Du coup, je peux plutôt vous recommander d'aller au Café Central et prendre... J'ai un peu regretté après de pas avoir pris plutôt un Apple Strudel. Et maintenant, je vais voir si je peux visiter l'Opéra. Il est juste en face. Et ouais, du coup, il y a la première visite à 10h. Là, il doit être 10h moins le quart. Du coup, je vais un peu me dépêcher parce que j'ai pas de billet ni rien. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Voilà, à plus! Je suis dans l'Opéra. J'ai payé l'entrée 5€. Vu que je suis étudiante, sinon c'était 10. Jusqu'à 1869, par les architectes, Édouard van der Neul, vous pouvez voir le portrait là. Je suis rentrée dans une boutique Lindt et en vrai j'adore ce genre de magasin, genre j'adore vraiment. Et j'ai vu qu'ils avaient plein de trucs qu'on n'a pas en France, genre j'étais là, waouh, ils ont même des trucs genre vegan et tout, je savais pas qu'ils avaient développé ça. Hey, je suis arrivée au Unterpasser Villa. Je suis passée en chemin dans une petite boutique que j'ai trouvée. J'ai essayé un haut mais au final je l'ai pas pris. Il était très beau quand même mais je l'ai pas pris, peut-être le décolleté, puis j'en ai pas vraiment besoin. Du coup là je viens d'arriver, il y a le bâtiment là. Ouh, je vais faire un petit tour. C'est ouf, j'ai l'impression que la ville elle est à l'arrêt le samedi. Là je vais au métro, il n'y a personne. Ou alors je me suis trompée, non? Non, c'est bon. Et même dans les rues, tout est super calme. Je ne pouvais pas aller non plus à Vienne sans manger le fameux Wiener Schnitzel. C'est en gros une escalope, ça dépend la viande, mais je crois que là c'était du porc qui est pané et frite. Et voilà, c'était bon en vrai. Bon, et ensuite c'était le moment pour moi d'aller à la gare pour une nouvelle destination. Donc on se retrouve dans un prochain vlog. La prochaine destination c'est Munich. J'espère vous retrouver. N'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la cloche pour recevoir des notifications quand je sors une nouvelle vidéo. Bisous!